Wesh les potos, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement. Donc si vous vous connectez tous les jours sur cette map, on finira bien par débloquer l'XP de cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitches d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map, le code sera en description et en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui nous aident à débloquer l'XP. Alors le code du glitch de cette vidéo, c'est le 1, 5, 2, 5, 3, 2, 7, 7, 3, 7, 4, 7. Donc entrez ce code, ensuite vous validez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines donc n'hésitez pas à l'actualiser. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, vous êtes les boss. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans le menu lancer le jeu et là ce que vous allez faire, ce que je vous conseille de faire, mais c'est pas obligatoire, c'est d'attendre 10 minutes. Donc si vous attendez 10 minutes dans la map, donc là vous mettez X pour accepter, voilà le petit message, je l'ai skippé un peu trop vite, mais là ce que vous allez faire c'est tout simplement attendre 10 minutes si vous voulez plus d'XP. Si maintenant vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps d'attendre 10 minutes, bah, tout simplement vous faites le glitch directement et tant pis pour les 10 minutes. Mais moi je vais attendre les 10 minutes pour gagner un max d'XP, donc c'est parti, je vous dis à tout de suite dans 10 minutes. Ok, donc là j'ai bientôt attendu les 10 minutes, normalement je vais recevoir un bonus d'XP, voilà j'ai reçu 1500 XP. Donc pour réaliser le glitch, ce que vous allez faire c'est aller près du bouton code créateur, ensuite vous allez placer un sol, donc juste ici vous placez un sol, ensuite vous placez deux rampes, une, deux rampes sur la gauche, ensuite vous replacez deux sols, un, deux sur la droite, et là vous replacez une rampe, puis un sol. Quand vous allez arriver sur le sol, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc 45 XP toutes les secondes, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, quand vous êtes tout en haut de la construction, vous allez sur la droite ici, il y a un bouton interagir. Vous interagissez avec, et là ça vous fait spawn dans l'aéronef. Donc là, vous voyez, il y a le logo. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement sauter comme ceci en face du logo. Là, il y a une fenêtre avec deux boutons interagir, donc on va interagir avec. Donc hop, j'interagis avec. Donc on est à niveau 34 déjà. Hein. Niveau 34, hop, on interagit avec les boutons. Hop, là, il y a un troisième bouton qui est près de la porte. Donc vous interagissez, hein. vous spammez avec, sur les boutons. Hein. Vous spammez un petit peu. Regardez, là, on a déjà gagné un niveau. Donc là, ensuite, quand vous avez interagi avec les trois boutons, vous remontez tout en haut. Vous allez là où il y a le logo. Vous allez en dessous, près de la porte, près du lampadaire. Et là, regardez, près de la lampe, il y a un bouton interagir, on interagit avec. Ensuite, on va dans le coin droite, on interagit avec le bouton. Ensuite, on va dans le coin gauche, on interagit avec le bouton, en spammant un petit peu. Ensuite, on va en dessous de l'escalier, juste ici. Et on interagit avec le bouton. Donc là, regardez, j'ai déjà gagné deux niveaux. Ensuite, ici, il y a un bouton près du lampadaire, vous interagissez avec. Et il y a un dernier bouton qui se trouve juste ici. Au-dessus de la porte de l'extérieur qui lui aussi vous donne des XP. Donc on était niveau 34, là on va passer niveau 37, donc rien que ce glitch, rien que ces boutons là m'ont déjà fait gagner 3 niveaux, mais c'est pas tout parce que si vous appuyez maintenant sur option, vous allez dans réapparaître, ok, appliquer. Donc là regardez, je suis niveau 37, j'ai gagné 3 niveaux. Déjà quand vous allez appuyer sur le bouton ici reset build, vous allez gagner des XP. Hop, donc 300 XP à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Donc voilà, c'est une technique supplémentaire. Ici, il y a un shop à côté de la cabine d'essayage. Il y a un shop d'XP. Donc vous interagissez avec le bouton. Ça va vous téléporter dans un shop où vous allez gagner des XP. Donc ici, vous avez un bouton que vous allez pouvoir interagir en spammant. Donc vous spammez le bouton interagir dessus en illimité. Vous allez gagner des XP en illimité à chaque fois que vous spammez. Alors si vous avez un autocliqueur, ben voilà, ça se fera automatiquement. Ou alors si vous avez un strike pack ou un rapid fire sur votre manette console, ben vous allez pouvoir le faire sans, gagner des XP sans rien faire, juste en ayant un autocliqueur. Alors ici, vous avez trois serveurs, donc trois serveurs que vous allez pouvoir casser. Donc pour les casser, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher tout près, de bien placer votre pioche, et comme ça vous allez toujours atteindre le point faible du serveur. Donc quand vous l'aurez cassé, vous allez gagner 10 XP, donc c'est ce que je vais faire. Je vais casser
le serveur et on va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc là je l'ai bientôt cassé, hop, là ça va me donner 7200 XP, donc c'est vraiment pas mal. Donc là je vais casser le deuxième serveur et on va voir combien le deuxième serveur va me donner d'XP. Ok, donc j'ai bientôt terminé, boum, celui-là me donne 7400 XP, donc c'est parti, on va détruire le troisième serveur. Ok, donc le troisième serveur est détruit et là il me rapporte 8100 XP. Alors ici, regardez, vous avez un bot, à chaque fois que vous allez le tuer, vous allez gagner des XP. Donc là, par exemple, il me donne 146 d'XP. Et ce que vous pouvez faire avec ce bot, c'est tout simplement mettre un élastique autour de sur votre touche tirée pour que votre personnage tire en illimité. Comme ça, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc vous laissez tourner votre console et ça tuera votre personnage, enfin le bot en illimité. Vous allez gagner 146 XP toutes les 5 secondes. Alors ici, vous avez une autre solution pour gagner des XP en illimité, donc vous allez mettre une rampe comme ceci, ensuite vous allez interagir, inverser la rampe comme ceci, parce que ça donne ça. Ensuite, quand vous allez avancer, placez-vous plus ou moins pour que les XP augmentent assez rapidement. Ensuite, quand vous êtes bien placé, vous appuyez sur votre touche tactile pour que votre course automatique s'enclenche. Et là, regardez, mon personnage touche en illimité le rebondisseur, ce qui me rapporte des XP en illimité. Vous pouvez voir qu'en haut à droite de l'écran, mes XP sont en train de diminuer 50 par 50. Donc toutes les secondes, je gagne 50 XP sans rien faire et vous pouvez laisser tourner votre console comme ça en illimité pour gagner un max d'XP. Alors le dernier truc, c'est ici, près du bouton 10 minutes, mais ce bouton, vous ne pourrez l'actionner uniquement si vous avez attendu 10 minutes dans la map. Si vous n'avez pas attendu 10 minutes dans la map, vous ne pourrez pas actionner ce bouton et ce bouton va vous rapporter une seule fois pas mal d'XP. Donc par contre, ce bouton prend plus ou moins 30 secondes à s'actionner, voire un peu moins, ou plus ou moins 30 secondes je crois. Donc là on y est presque et vous allez voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc ça me rapporte 9000 XP, donc c'est plutôt pas mal. Alors donc voilà, vous avez plusieurs solutions pour gagner des XP dans cette map. Donc vous avez les XP en illimité sans rien faire avec le rebondisseur qui est là. Je pense que c'est le meilleur hein, si vous avez une simple console ou vous voulez pas vous prendre la tête, je pense que c'est le meilleur. Après, vous avez le bot que vous pouvez tuer en illimité en mettant un élastique autour de votre touche tirée. Ou alors, vous avez le bouton ici que vous allez pouvoir interagir avec un autocliqueur. Mais bon, voilà, il faut avoir un autocliqueur ou un strike pack ou un Cronus Max. Enfin, peu importe, il faut avoir des accessoires pour le faire. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement arrêter le jeu, recommencer la partie, donc relancer le jeu, relancer la map et recommencer le glitch en illimité pour gagner plus d'XP. Ou alors, vous utilisez la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui vous permet de gagner 5 fois plus d'XP avec n'importe quel glitch de Fortnite. Donc là, par exemple, j'ai gagné 3 niveaux. J'ai gagné plus de 3 niveaux. Presque 4. Donc ça voudrait dire que comme j'ai gagné 3 niveaux, si j'aurais utilisé la technique secrète qui est en description en commentaire épinglé, bah là j'aurais gagné 15 niveaux. Donc voilà, un seul glitch m'aurait rapporté 15 niveaux. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la technique, elle est en description et en commentaire épinglé. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb